Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec Sancho de Cuba que la Sancho pour la salsa. Oh yes, on est là pour un autre unboxing, celui de la Loot Crate DX. Yes sir, sous le thème de Guardians. Oh yes. Oh yeah. Oh yeah. All right. Hey, la DX pour Deluxe. J'imagine, Sancho, je suis pas sûr. Le DX, ça se pourrait que ça soit pour le Deluxe. C'est en fait la boîte la plus chère de Loot Crate. Elle est énorme, elle est lourde. Oui, j'imagine que ça doit être pour ça, on verra bien. En fait, c'est la première fois que je commande la DX, Loot Crate DX. Le thème me parlait plus ou moins, mais les licences ont touché au bon endroit. Je pense qu'il y avait du Guardians of the Galaxy, du DC ou du Wonder Woman. Je me souviens plus. Je me souviens de ces deux-là, c'était ceux qui me parlaient le plus. Alors, ne tardons plus. On va passer à l'unboxing. C'est la première fois que je fais un unboxing dans le nouveau décor. Je ne suis pas sûr de l'emplacement de la caméra. Dites-moi-le dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais qu'on voit plus ma collection derrière moi. Donc, peut-être déplacer la caméra. On verra bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cet emplacement-ci. Et en fait, ça m'intéresse à voir m'aider. On passe à l'unboxing. Et comme d'habitude, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur avant que je puisse le voir. Voilà. D'accord, je pense que j'ai touché le t-shirt. Il n'y a pas de récap fait. Non, un peu plus au cas où. Je mets ça de côté. J'ai senti le t-shirt. On va commencer par le t-shirt. Un petit gris. Oh, gris. Noir sur gris. Ah, Destiny. Donc de la licence Destiny que je ne connais pas du tout. Il y a même écrit derrière Destiny. Je ne connais pas du tout, donc ça ne me dit rien. Mais le t-shirt est nice, c'est une bonne qualité. Comme Loot Crate m'a toujours habitué. J'aime bien que ce soit noir sur gris, donc très très discret. D'accord, on continue. Ok, oh, le pins. Destiny encore. Pins est nice par contre. Mai 2017. Guardians, j'aime bien, mais j'ai un souci avec les pins, je ne sais vraiment pas quoi en faire, j'en ai beaucoup. Je sens comme deux boîtes, une Q-Fig Max, oh mon dieu, juste trop belle, une belle Q-Fig de Star-Lord, wow, de toute beauté, j'adore, Q-Fig Max, wow, donc on continue, j'en avais deux boîtes, ça c'est la Q-Fig Max, qu'est-ce que c'est que l'autre boîte? Une DC Comics Bombshell exclusive à Loot Crate parce qu'elle est métallique. Regardez ça. Wow, wow, wow. Oh oui, de toute beauté. Il reste autre chose. Oui, le bouquin, j'avais carrément oublié le bouquin. D'accord, donc on peut voir les Gardiens de la Galaxie ici en bas. Ça sera un guide du cosmos de Marvel, où les Gardiens de la Galaxie ont laissé quelques notes, mais à l'arrière, on peut voir Venom, on parle du Wakanda, donc la tribu de Black Panther, il y a même Asgard, oui, très intéressant, j'adore, excellent, un bon bouquin, donc est-ce qu'il reste autre chose? C'est tout, il ne reste que le récapépète, wow, vraiment, wow, deux figurines. Bien que le t-shirt ne me parle pas beaucoup, les deux licences qui me parlaient le plus, ouais, incroyable, magnifique, très bonne boîte, un peu cher effectivement, mais wow, vraiment, wow, très belle expérience, j'espère la renouer, je vais continuer à regarder les licences, et aussitôt que je verrai des licences qui me parlent, je vais me lancer, c'est certain. Personnellement, je suis satisfait. Une boîte qui dépasse mes attentes sans vraiment savoir qu'est-ce que je m'attendais.
Je m'attendais à une figurine, c'est certain, mais là, c'est deux figurines qui sont wow, excellent. Donc, mais je veux savoir, vous, dites-moi-le dans les commentaires, quel est l'article que vous avez le plus préféré? Je vous rappelle qu'on a reçu un t-shirt. On a le pins. Vous pouvez aller avec le t-shirt, vu que c'est la même licence. On a le livre qui nous parle du cosmos de Marvel, en anglais, effectivement. On a la Q-Fig Max des Guardians de la Galaxie, volume 2. Voilà. Et on a Wonder Woman, un bombshell métallique exclusive à Loot Crate DX. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a le plus plu. Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, lâchez un petit commentaire, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!